Station verte. Mais Station verte, c'est une destination qui est engagée dans l'écotourisme et qui répond aux critères du label. Station verte, c'est le premier label écotouristique de France. Et en général, on trouve les stations vertes dans des territoires de campagne, de montagne, plutôt dans des territoires ruraux. L'écotourisme, c'est un tourisme axé sur la nature, le patrimoine et l'environnement dans le territoire. Donc pour être station verte, il faut répondre à plusieurs critères, en particulier avoir de l'animation de pleine nature, comme la randonnée, le VTT, l'escalade, pourquoi pas la pêche. Il faut avoir une offre d'hébergement et de restauration dans la commune. Donc il faut compter également pas mal de services, de commerce, un office de tourisme qui va être en charge de faire la communication touristique, la promotion et puis renseigner les touristes, bien évidemment. Donc dans notre territoire, dans la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, on compte 5 stations vertes. La plus ancienne, c'est Mortain-Bocage, qui a été labellisée la première. Ensuite, on a les communes de Pontorson et Saint-Hilaire-du-Harcouët, qui ont été labellisées en 2011. Et puis, très récemment, on a voulu développer un réseau de stations vertes. Donc on a les communes de Saint-Jean-de-Thomas et de Ducey-les-Chéries qui ont intégré le réseau des stations vertes et on a la commune de Bressé qui est en cours de labellisation. Donc notre réseau de stations vertes dans la communauté d'agglomération de Saint-Michel-Normandie travaille sur de nombreux projets de structuration d'offres. En particulier, on travaille sur un projet d'escapade entre stations vertes. L'idée, c'est de créer du séjour pour séjour entre stations vertes à pied à vélo. Coordonne également des activités, des animations, par exemple des tournées de spectacles sur l'environnement d'une station verte à une autre, à destination des écoles ou du grand public. La Fédération nationale des stations vertes nous invite aussi à participer à des animations d'envergure comme la fête de l'écotourisme au mois de mai. Donc l'idée c'est que l'ensemble des stations vertes du territoire de la France participe à une animation et propose des activités pendant un mois sur l'environnement, la nature.